Bon, allez, une dernière répétition. Raconter les meilleurs, les pires souvenirs du labo. Moi, j'ai l'habitude de filmer des neurones. Je travaille sur le cerveau, je devrais pas avoir autant peur des caméras. On commence par mon meilleur souvenir. Je sais ce que c'est. C'est un des premiers jours où j'ai finalement réussi à voir mes neurones sous le microscope bouger. C'était incroyable. Donc oui, les neurones, c'est cellules nerveuses. Et bah, chez l'embryon, dans le cerveau, elles se déplacent. Et moi, j'ai réussi à les sortir du cerveau et à les mettre sous le microscope pour les filmer, les regarder se déplacer pendant plusieurs heures. Franchement, un neurone qui bouge, c'est tellement beau. Ah, alors maintenant, le pire souvenir. On est vendredi soir. Je suis au labo, il est tard. J'ai envie de rentrer chez moi, mais il me reste un petit truc à faire. Faut que j'aille chercher une bouteille en chambre froide, donc hop, j'y vais. Et là, évidemment, rien ne se passe comme prévu. C'est le drame. La porte refuse de s'ouvrir. Coincée en chambre froide, sans portable, évidemment. Ah ça, je dois dire que c'était vraiment l'angoisse. Quand j'y repense, c'est fini les vendredis soirs au labo. Claire, je te sens bien, t'es prête, vas-y, tu vas tout déchirer.